Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je suis directeur de l'auditorium et des spectacles du Louvre et étant arrivé de fraîche date dans cette belle maison, c'est avec une joie toute particulière que je vous accueille pour cette conférence de présentation de l'exposition « Les choses, une histoire de la nature morte » qui vient d'ouvrir au public. Votre présence nombreuse, très nombreuse même, dit beaucoup du vif intérêt que cette exposition dans laquelle l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, sa commissaire et auteur, nous livre une lecture singulière, originale et audacieuse de la nature morte qui s'affranchit des barrières chronologiques et géographiques traditionnelles. Votre présence est très appréciée par nous tous ici. Une partie de notre public nous suit aujourd'hui via l'écran des ordinateurs et notre chaîne YouTube et je voudrais saluer ce public également très chaleureusement et vous dire à tous que vous pourrez voir et revoir cette conférence sur le site du musée qui va rester en ligne sur le site du musée. Je voudrais attirer votre attention sur deux choses en lien avec notre rencontre aujourd'hui et avec l'exposition. La première, c'est la parution d'un magnifique catalogue qui a été publié à l'occasion de l'exposition sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac et qu'elle dédicacera à l'issue de cette rencontre. La deuxième, c'est que cette conférence inaugure une série de manifestations très variées autour de la thématique de l'exposition que l'auditorium vous propose tout au long des prochaines semaines et des prochains mois grâce au travail remarquable mené par les équipes, par Dominique de Fonréau, directrice de la médiation et de la programmation culturelle et de la programmation culturelle que je salue et de toutes les équipes de l'auditorium. Il y aura d'abord un cycle passionnant de rencontres et de conférences données par des conservateurs et des historiens d'art. Je pense notamment à celle dès jeudi prochain à 19h, ce jeudi 20 octobre à 19h, celle de Guillaume Favreau, notre collègue conservateur en chef du département des peintures, qui nous parlera des objets bavards du XVIIIe siècle, une de ses grandes spécialités. Et puis je pense aussi à des rencontres plus inattendues entre historiens d'art et des artistes contemporains, par exemple avec Michel Barcello, le grand peintre contemporain de la nature morte, ou bien encore à Valérie Belin. Il y aura du cinéma avec un cycle de films intitulé « Machin Machine » de Buster Keaton à Tim Burton, avec notamment un ciné-concert exceptionnel proposé par Pierrick Sorin et Pierre Bastien. Il y aura des concerts avec le Quatuor Bella et le Paris Percussion Group, qui ont imaginé spécialement des programmes autour de la thématique de l'exposition. Vous verrez sur cette scène voisiner à la fois des instruments que l'on connaît bien et puis des objets beaucoup plus insolites. Ce sera très, très, très stimulant et très passionnant. Et enfin, nous clôturerons l'exposition et la programmation le 13 janvier prochain par une nuit des choses, une nuit pleine de surprises, de magie, de musique, de rencontres inspirantes. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, mais nous n'en sommes pas encore là et je vous laisse retrouver toutes les informations concernant ces programmes à la fois dans nos brochures et sur le site internet. Cher Laurence Bertrand d'Orléac, nous sommes tous venus pour vous écouter. Je vais donc sans plus tarder vous céder la parole et ce plateau. Vous me permettrez juste de rappeler que vous êtes professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, historienne de l'art, commissaire d'expositions qui ont fait date, comme les désastres de la guerre en 2014 au Louvre-Lens. Vous êtes auteur de nombreux textes, ouvrages et directrice de collection aux Presses du Réel. Cher Laurent, c'est une grande joie de vous accueillir. Bienvenue à l'Auditorium du Louvre. Merci beaucoup. Merci, cher Luc, de votre générosité. Vous avez parlé d'audace, mais vous savez, dans cette histoire, dans cette merveilleuse aventure, je n'ai pas du tout eu l'impression d'avoir la moindre audace, mais simplement de faire mon petit métier, qui est d'être historienne de l'art et d'être à l'écoute des artistes, et en particulier des artistes contemporains qui dialoguent avec le temps passé. C'est un petit peu cette histoire que je vais essayer de vous raconter, mais je dois vous dire que si j'ai accepté de venir vous parler, c'est parce que je suis très curieuse de vos questions ensuite. Et on m'a dit que nous pouvions dialoguer et je suis vraiment très curieuse d'ores et déjà de vos questions. Donc,
Je remercie ici Laurence Descartes, la présidente de ce musée, pour m'avoir fait confiance, après donc le président Jean-Luc Martinez, et aussi pour avoir au fond imposé l'idée que ce commissariat, c'était aussi finalement une façon d'être auteur d'une exposition. Elle m'a demandé, et j'en ai accepté l'augure, et de simplifier finalement mon propos et de dire en quelques mots, presque un haïku, finalement, qu'est-ce que cette exposition sur les choses. Voilà. Et je vais essayer de ne pas être trop bavarde, justement, puisque je me plains de ce monde bavard. Et en effet, les artistes, jusqu'à nos jours, nous invitent à prêter attention à tout ce qui est minuscule, singulier, en donnant une forme aux choses de la vie et de la mort, en parlant du vivant et du non-vivant. Ils parlent aussi, à travers ces choses, de notre histoire depuis toujours, de nos attachements, de nos peurs, de nos espoirs, de nos caprices, et il faut bien le dire, aussi de nos folies. Cette exposition est dédiée, au fond, aux représentations des artistes. C'est une exposition qui voudrait ouvrir sur le dialogue entre les œuvres du présent et celles du passé, et puis aussi entre nos mentalités d'aujourd'hui qui ne sont pas celles de nos ancêtres. On a tendance aujourd'hui à juger très sévèrement nos ancêtres, mais je crois que le rôle de l'historienne de l'art est au fond plutôt de présenter la situation telle qu'elle a pu être, et nous avons de merveilleuses sources, nous, qui sont les œuvres d'art. Alors, je vais vous poser la question tout simplement parce que j'aime revenir de façon générale aux définitions et à la simplicité, au fond, des commencements. Et j'aimerais essayer de me poser la question avec vous, de savoir qu'est-ce qu'une exposition ? Eh bien, une exposition, c'est un agencement de choses, précisément, puisque les œuvres sont des choses matérielles. Vous voyez là Thibaut Boulevin, qui je remercie de sa présence de complice à nos côtés, et qui est en train de regarder l'œuvre de Christian Boltanski, qui se situe au début de l'exposition et qui est en train de mettre un peu d'ordre dans une œuvre qui est composée de plusieurs photographies. C'est un agencement de choses, donc, et c'est aussi un dialogue entre les œuvres. Et c'est peut-être l'une des particularités de cette exposition, c'est qu'elle met en valeur particulièrement ce dialogue entre des œuvres qui peuvent vous sembler très différentes. Mais je reviendrai d'ailleurs sur ce dialogue, qui est un dialogue que j'appellerais fondateur. C'est un dialogue aussi entre nous et les œuvres. J'ai pris un certain nombre de photos pendant le chantier. Vous savez, l'accrochage, c'est 17 jours pour vous présenter cette exposition. C'est, comme nous allons le voir, beaucoup d'années de préparation. Et puis, ces 17 jours absolument extraordinaire d'accrochage, cette jeune femme donc est en train de regarder les œuvres. Je dois vous avouer que c'est évidemment une chose que j'aime beaucoup regarder, c'est-à-dire les visiteurs, les visiteuses depuis l'ouverture de l'exposition qui regardent attentivement les œuvres. Alors, c'est un dialogue entre nous et les hommes, c'est un dialogue quand même sous un éclairage nouveau, c'est-à-dire que quand on met en branle une telle exposition, enfin avec beaucoup à la fois de moyens, beaucoup d'acteurs, il faut évidemment proposer des choses un peu neuves, si vous voulez. On ne peut pas répéter ce qui a été répété, donc alors sous un éclairage nouveau au double sens, c'est-à-dire à la fois du point de vue sans doute des idées, de la sensibilité de notre époque, mais également de l'éclairage, et j'espère pour celles et ceux qui ont déjà vu l'exposition que vous aurez apprécié la qualité des équipes d'éclairagistes du Louvre. Nous avons travaillé avec eux vraiment œuvre par œuvre. C'est très important, l'éclairage dans une exposition. Alors, une exposition, c'est aussi un magma de problèmes, hein,
C'est vrai que si c'est une maladie, je suis tombée très malade pendant très longtemps, puisque cette exposition, je la prépare depuis 7 ans. Donc 7 ans de réflexion, 7 ans de recherche, de fréquentation des œuvres, d'études de textes, bien sûr, de discussions entre les pairs et au-delà. 7 ans durant lesquels j'ai pu proposer des cours à Sciences Po, à l'École du Louvre, un séminaire Art et Société, des conférences aussi, et un ouvrage à partir du scénario de l'exposition. J'insiste parce que très souvent, vous savez, on écrit un livre et puis ensuite on organise une exposition. Or moi, bon, c'est surtout le scénario de l'exposition, si vous voulez, qui est absolument fondateur et qui a donné un certain nombre d'événements ou de développements. Et ce livre était une façon de poser à l'écrit quelques intuitions pour essayer, disons, de les mettre à l'épreuve. L'exposition, c'est aussi repartir, si vous voulez, après tout le travail de réflexion qu'on a pu faire en amont, au fond, c'est aussi repartir à nouveau frais, à tout point de vue, c'est-à-dire vraiment organiser quelque chose avec des bases qui ont été mûrement réfléchies, mais je dirais avec un œil frais sur une situation nouvelle. À partir du moment où on rentre dans les lieux qui vont être ce lieu qui va accueillir les protagonistes de l'histoire, c'est-à-dire les œuvres d'art, eh bien, on peut dire que là, il se passe quelque chose de neuf et sur lequel il faut moins réfléchir qu'agir, disons, et réagir à tous les problèmes qui vont se poser jour après jour. Alors, une exposition, c'est aussi un commanditaire, en l'occurrence deux, puisque donc, le président Martinez avait accepté cette exposition. Laurent Descartes, qui connaissait très bien cette exposition, puisque nous lui avions demandé des œuvres quand elle était présidente du musée d'Orsay, qu'elle avait d'ailleurs généreusement consenti à nous prêter. Et puis c'est un lieu, le Louvre, les salles Napoléon, qui ne sont pas n'importe quelle salle, un scénario, un plan, finalement 15 chapitres pour parler de cette histoire au long cours, une scénographie donc de nos amis italiens, donc de l'agence et des architectes de Magny, donc avec lesquels on a beaucoup dialogué, parfois on s'est même quasiment disputé, pour arriver au fond les uns et les autres à parvenir à une solution qui soit satisfaisante pour les uns et pour les autres. Et vous avez constaté pour les habitués du Louvre que cet espace qui est relativement difficile, disons, a été transformé grâce au talent de ces architectes. Et puis c'est un accrochage, c'est très important, l'accrochage, et je vais y revenir bien sûr. C'est un programme, donc c'est un titre. Alors les choses, c'est un titre qui n'a jamais posé problème, si je puis dire. C'est un titre qui s'est vraiment imposé. Je vais expliquer pourquoi. Une histoire de la nature morte, c'est de ça qui s'agit. C'est quand même une discussion aussi à l'intérieur, si vous voulez, de l'histoire de l'art, et c'est une discussion autour du genre qui est très bien connue, peut-être même un peu trop, de la nature morte. Bon, au début, on avait décidé de situer ça dans le temps, hein, depuis la préhistoire, pour marquer aussi que nous commencions en amont de l'Antiquité. On fait toujours naître les choses avec l'Antiquité grecque. Finalement, bon, ça nous a semblé non indispensable, disons. Alors, pourquoi les choses en premier et la nature morte en second ? J'y viens. Précisément en finir avec la nature morte, enfin, c'est le titre de mon livre. Alors évidemment, quand certains lecteurs ont vu ce titre, ils m'ont dit « Oh là là, mais vous n'aimez pas la nature morte ?» Non, mais oui, si, j'adore la nature morte, et c'est précisément pour cela que je n'aime pas cette expression
qui est très tardive, qui date du XVIIe siècle en réalité, et j'ai voulu, par cette exposition, redonner vie à la nature morte. Alors, le terme chaud, si vous voulez, il est plus utile d'abord à notre projet. Bon, pourquoi ? Parce que nous voulons rendre compte avant tout de la vie des choses, de notre dialogue avec elles, de notre action sur elles, mais aussi de leur action sur nous, hein, ce que les Américains ou les Anglais appellent agency, de leur action dans le monde. Alors, bon, je vous rassure, là aussi, je crois que c'est dans la presse, j'avais lu dans une critique sur mon livre, d'ailleurs très sympathique par ailleurs, que j'étais sans doute animiste. Non, ben non, je ne suis pas animiste. C'est dans cette exposition, je veux surtout parler de nous, disons, et des choses. Et Daniel Miller donc, a été à la tête d'une enquête sociologique dans un quartier anglais dans les années 1980 à Londres. Et ces sociologues donc, avec qui il travaillait ont réussi à prouver que les personnes qui étaient les plus attachées aux choses étaient les personnes qui étaient les plus attachées aux êtres. Voilà, nous voilà rassurés donc, sur notre attachement aux choses. Bruno Latour, donc, qui écrit dans ce catalogue, et je vous convie à le lire, c'est probablement l'un de ses derniers textes. Bruno Latour, donc, qui vient de nous quitter, disait « Considérez les choses, vous aurez des humains. Considérez des humains, vous êtes par là même intéressés par les choses. Hein. » Pour Bruno Latour, tout fait monde, dans le fond, à la fois les choses, les animaux et, bien sûr, les humains et la terre. Alors, vous savez, quand on fait une exposition de cette envergure, sur un sujet, disons, à la fois si général et d'une certaine manière si métaphysique, mais également si sociologique, si politique, si juridique, forcément, on est aidé par la... On est invité à penser les choses avec aussi les acteurs de notre époque. Et l'idée, au fond, c'est que notre action, sinon notre place dans le monde actuel, sont remises en question. Comme vous le remarquez, les catégories du vivant et du non-vivant sont reconsidérées. Les choses commencent à obtenir des droits, les fleuves, les arbres, les animaux aussi. Hein, quand on pense à la mort animale, on va sans doute y revenir. Les sciences humaines et sociales prennent souvent les choses depuis un certain temps pour objet d'étude, et je vous renvoie donc à toute l'histoire de ce qu'on appelle la culture matérielle en histoire, la critique écologique de l'anthropocène, la philosophie spéculative des jeunes philosophes, l'anthropologie des choses, la sociologie des choses, l'économie des choses, la littérature des choses, la poésie des choses, le théâtre des choses, le son des choses, et évidemment il manquait à cela la représentation des choses qui mérite à la fois considération et peut-être reconsidération. Alors, tous les artistes, bien sûr, qui ont représenté les choses depuis la préhistoire sont notre source principale. C'est à eux que je veux rendre hommage, si je puis dire, en premier, mais je veux aussi rendre hommage à tous les auteurs qui ont participé de près ou de loin à cette exposition et qui, pour un très grand nombre, ont écrit dans ce catalogue. Ça ne veut pas dire pour ça que tous les auteurs intéressants qui s'intéressent aux choses et à la nature morte sont dans ce catalogue, loin de là, certainement. Mais en tout cas, un grand nombre m'ont servi, si je puis dire, à la fois de repères et donc leur pensée est active, mort ou vivant. Bien. Et puis, j'aimerais aussi rendre hommage avec un grand historien de l'art, deux d'ailleurs, avec lesquels je reste en dialogue dans cette exposition. C'est Charles Serling, qui est cet
historien de l'art assez génial, il faut bien le dire, qui a beaucoup marqué l'institution du Louvre, qui a été conservateur au musée du Louvre et qui a organisé ce que je pense être la plus grande exposition, enfin la dernière plus grande exposition en Europe sur la nature morte, donc la nature morte à travers les âges, à l'Orangerie des Tuileries en 1952. Il y a eu aussi un livre auquel vous pouvez vous référer, qui est La nature morte de Sterling, qui est devenu un grand classique. Charles Sterling, c'est une personnalité avec qui j'ai dialogué par texte interposé, disons, mais c'est quelqu'un que m'a fait particulièrement apprécier Michel Laclotte, qui l'a très bien connu, qui a même fait un film sur Sterling et qui a connu l'un des premiers, le scénario initial de cette exposition, et je voudrais lui rendre un vibrant hommage. L'auditorium dans lequel nous sommes aujourd'hui porte son nom. Il a été pour nous tous, pour vous, amis conservateurs, conservatrices, et pour nous, historiens de l'art, historiennes de l'art, un véritable repère, un ami. Et parmi les choses qui plaisaient probablement aussi à Michel Laclotte chez Sterling, c'était à la fois son ambition toujours de faire évoluer les modèles, disons, et c'était aussi une appétence pour le monde contemporain que Michel Laclotte avait également. C'est un très jeune homme, déjà, il a au fond collectionné, même il a acheté des œuvres d'artistes qui étaient des artistes vivants. Donc ce lien, si vous voulez, entre le très contemporain et l'art ancien, au fond, d'une certaine manière, je leur dois aussi cette initiative, d'avoir pris cette initiative, du temps d'ailleurs où Michel Laclotte était président de cette grande maison, l'art contemporain avait une place importante, et je vois que certaines d'entre vous l'ont connu cette époque. Donc, l'idée de Sterling, et qui, ce n'est pas très original d'avoir cette idée après lui, c'est que depuis toujours, les artistes ont pris les choses au sérieux. Les artistes sont parmi les premiers à ne pas avoir considéré les choses avant tout comme inférieures, comme c'est souvent le cas, mais douées de charme, de sens et de facultés propres à donner matière à penser, à instruire, à croire, à rêver et peut-être aussi à agir. En histoire de l'art, le genre de la nature morte, donc comme je vous le disais, est bien connu, il est peut-être même un peu galvaudé, un peu trop connu, et c'est toujours pas très bon finalement quand on croit trop bien connaître les choses. Et notre exposition propose une nouvelle vision de ce genre artistique mal nommé, sinon mal aimé. Alors comment ? Il faut que je le prouve évidemment. Partir de nos savoirs donc, et de nos sensibilités actuelles, c'est ainsi que j'ai fait pour remonter le fil du temps avec nos problèmes d'aujourd'hui, avec notre souci du monde d'aujourd'hui. Alors pourquoi ? Bon, bah pour libérer la nature morte, premièrement de son expression impropre, deuxièmement d'un corpus qui était trop strictement pictural, disons, troisièmement de son carcan chronologique, et quatrièmement, de son carcan géographique. Voilà quel était mon petit programme. Alors, libérer la nature morte de son nom impropre, bon, vous savez, ce n'est pas si difficile que ça, en ce sens que l'expression en français a fait l'unanimité contre elle. On trouve toutes sortes de critiques depuis le XVIIe siècle, où le genre se met vraiment en place, si vous voulez, du point de vue académique. Théophile Thorey-Burger, qui a largement contribué à redécouvrir Vermeer en 1860, dit « nature morte est absurde, tout communique avec tout et participe à la vie solidaire. Il n'y a pas de nature morte ». Je trouve qu'on ne peut pas dire les choses mieux que lui, et ce n'est pas le seul texte qui dit la même chose. Alors, l'expression « nature morte », elle s'impose bien longtemps, en fait, après les premières représentations de choses, les premiers agencements de choses représentées. Bon, cette expression, on la trouverait à partir de 1690 chez Gérard de Lairès, pour qui le but de la nature morte est de rendre tous les objets inanimés, tels que fleurs, fruits, vases, ustensiles et instruments de musique, de tous les métaux, ainsi que de marbre, de pierre et de bois, le corps et l'inanimé dans la nature morte. Hein, c'est bon.
C'est aux alentours en fait de 1650 que les peintres landais parlent de Stilleben, et de là, si vous voulez, et vraiment à partir de cette époque, vont se mettre en place une série de vocabulaires qui, dans chaque langue, vont vouloir dire à peu près la même chose, mais en fait ne disent pas tout à fait la même chose, en ce sens que, par exemple, bon, Stilleben ou Still Life donne évidemment un imaginaire, si vous voulez, qui est certainement plus riche que celui de Nature morte. Bon, le français donne aussi l'italien. Et puis les Espagnols ont plusieurs expressions, et en discutant avec des journalistes espagnols lors de l'ouverture de l'exposition, je me suis rendu compte que bodegones avait toujours une grande actualité, qui dit plutôt mieux que nature morte au fond de quoi nous avons envie de parler, c'est-à-dire de ce chef-d'œuvre en particulier de Cotán, qui donc est une nature morte. Mais au fond, qu'est-ce qu'une nature morte depuis le départ? C'est un agencement de choses en un certain ordre assemblé. Hein, je parodie l'expression que vous connaissez de Maurice Denis. Puisque la nature n'est jamais morte, ou pas encore, hein, dirait évidemment Bruno Latour, nous parlerons de choses moins accablées d'inertie, mieux désignées par un mot qui est simple, qui est juste, pas besoin d'être animiste, encore une fois, pour saisir quels sont des signes vivants qui font imaginer, penser, croire, douter, rêver, se rappeler et agir. J'ajoute tout de même que... du point de vue, si vous voulez, littéraire en particulier, du point de vue philosophique, bien sûr, des personnalités aussi importantes que Georges Perec, qui a écrit le fameux « Les choses », ou toute la pensée philosophique, bien sûr, sur à la fois la question du matérialisme et des choses, des marchandises, etc., nous anime. Hein. Je crois qu'il y a toujours, vous avez toujours des... Vous êtes toujours en dialogue avec des personnalités. Je suis en dialogue toujours avec beaucoup de penseurs, de penseuses. Je vous ai parlé de Charles Sterling, mais je pense que s'il fallait que je désigne peut-être un auteur qui m'a particulièrement marqué et qui sans doute donne une sorte de bémol pour l'exposition, ce serait probablement Georges Perec. Alors, deuxièmement, libérer la nature morte de son unique corpus pictural. En effet, bon, vous avez de magnifiques peintures, énormément de peintures de nature morte, et vous en voyez deux très belles qui sont dans l'exposition, qui viennent donc du musée du Louvre, et je remercie Sébastien Allard pour sa grande générosité donc dans les prêts qu'il a consentis par le département donc des peintures du Louvre. Vous avez donc ces magnifiques peintures donc de l'hiver et de l'automne, mais vous pouvez, si vous avez envie justement de prolonger le plaisir et le dialogue, au fond mettre en relation ces deux peintures avec par exemple cette photographie de Witkin, donc qui date de 1983 et qui est évidemment un hommage, mais un hommage avec ses propres moyens, avec son propre médium, à Archimboldo. Et si vous voulez sophistiquer encore un petit peu les choses, vous pouvez ajouter ce film d'animation de ce Tchèque qui va d'ailleurs, je crois, être honoré dans cet auditorium bientôt, Sven Meyer, donc, qui est un artiste tchèque très intéressant et qui lui aussi rend hommage à Archimboldo, mais par un médium différent, avec des armes différentes, où il peut montrer, si je puis dire, par le cinéma, non seulement la fusion entre les choses, mais avant la fusion, la guerre entre les choses. Et c'est un documentaire très amusant. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, de ce que nous avons essayé de faire dans l'exposition, faire dialoguer des techniques différentes, des médias différents, des artistes différents, par-delà, au fond, le temps et la géographie. Libérer la nature morte de son carcan chronologique. Alors,
Encore, j'ai commencé à vous le dire au départ, on fait, vous savez, les Grecs ont tout inventé, la philosophie, la démocratie, donc pourquoi pas la nature morte. Oui, certainement parce qu'il y a des textes, si vous voulez, et les textes de Pline en particulier sont très intéressants, qui évoquent Pyraikos, le peintre grec du IVe siècle avant notre ère, donc qu'on appelait le riparographe, qui peignait déjà sur tableautin des objets vils, des objets sordides, mais qui avait beaucoup de succès. Finalement, c'est toute l'histoire de la nature morte commence déjà sous les antiques de ce point de vue-là, du point de vue même du marché de la nature morte, puisque au fond on trouve que c'est un genre mineur, mais il n'empêche, on aime bien quand même accrocher des avoir près de soi, disons, des belles représentations de choses. Alors, la question très simple que je me suis posée, c'est, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un dessin des choses avant l'Antiquité grecque ? Or, le dessin des choses existe bien avant l'Antiquité grecque, il suffit simplement de chercher pour trouver. Bon, alors, avec un personnage, peut-on dire, c'est pas une question qui a beaucoup intéressé les chercheurs et les chercheuses, moi j'étais un petit peu obsédée, vous savez, comme on a un sujet en tête, on est un petit peu obsessionnel évidemment, et donc j'ai trouvé cette corne de bison qui est évidemment un symbole de fertilité pour cette fameuse Vénus de Locelle, 25 000 ans avant notre ère, hein, qui est peut-être la première chose, en tout cas une des premières choses représentées, mais encore une fois avec un personnage. Et mon idée quand même, c'était de trouver des représentations de choses pour elle-même, si vous voulez. Et donc je me suis demandé, au fond, quelle serait la première nature morte indépendante, sans représentation de personnage sacré ou religieux. Et j'ai, en cherchant encore une fois, et surtout en cassant les pieds de mes amis préhistoriens, j'ai trouvé cette magnifique paroi du Cairn de Gavrinis, que vous pouvez visiter d'ailleurs, dans le Morbihan, 3500 ans avant notre ère, qui est une série de haches, de magnifiques haches, votives bien sûr, tout ça est de l'ordre du sacré. Vous savez, sur la longue durée de l'histoire, le temps du sacré est beaucoup plus long que le temps du profane, et donc cette série de haches néolithiques a été reproduite au XIXe siècle. Hein. On a découvert donc ce cairn, et ensuite il y a eu une mission avec ce très beau dessin d'Abel Maître qui a été restauré pour nous, donc qui vient du musée de Saint-Germain, des archéologies de Saint-Germain, où nous voyons donc des haches, si je puis dire, pour elles-mêmes, hein, une sorte de Warhol préhistorique. Voilà donc le dialogue qui commence, c'est-à-dire à Abel Maître qui sert à cette mission, donc, mais qui fait ce très beau dessin malgré tout. Hein, ce n'est pas un simple report, mais c'est aussi une très belle qualité de report. Et puis, il se trouve que Hubert Duprat est un artiste toujours bien vivant, contemporain, qui en 2013 a planté une hache néolithique qu'il avait trouvée sur un chemin, comme vous pouvez en trouver rarement, c'est vrai, mais de temps en temps, en tout cas en vous promenant. Et il a planté cette hache néolithique dans un pain d'argile qu'il a recouvert de plastique pour bien montrer que c'était une œuvre de notre époque, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Vous voyez. Donc, d'une certaine manière, Duprat, qui connaît les haches de Gavrinis, non pas d'ailleurs, je lui ai posé la question, par Abel Maître, mais tout simplement parce qu'il connaît ce cairn de Gavrinis, s'intéresse aux haches néolithiques, donc, et fabrique cette œuvre contemporaine. Voilà, ce dialogue, au fond, vous le retrouvez souvent dans notre exposition. Un autre carcan chronologique, c'est l'éclipse de Milan. Bon. De façon générale, dans les histoires de la nature morte, vous trouverez il y a une éclipse donc de 1000 ans, de la chute de l'Empire romain au XVIe siècle, et généralement, donc, dans les expositions, dans les livres, on passe de l'Antiquité grecque, hein, et romaine au XVIe siècle et à cette fameuse perdrix de gantelets de fer et carreaux d'arbalète de barbarie de 1504. Voilà. Et je me suis demandé ce qu'étaient devenues les choses, si vous voulez. Pendant 1000 ans, je me suis demandé comment, quand même, les artistes avaient obéi à cette règle d'or qui voulait qu'on ne représente plus des choses pour elles-mêmes. Bon.
Les choses n'avaient pas pu disparaître, disons, sans laisser de signes. Or, évidemment que le dessin des choses, il a laissé des traces, et que les artistes savent très bien représenter les choses, comme d'ailleurs des sortes de natures mortes, parfois, dans les marges, mais toujours, si vous voulez, pour désigner, au fond, les personnages, symboliquement, et je dirais pour les mettre en valeur. Finalement, si vous voulez, les choses deviennent pendant 1000 ans, en effet, dans le régime de la chrétienté, disons, hein, de l'Europe chrétienne, du monde occidental, donc les choses sont asservies par les personnages religieux pour imposer finalement aussi une familiarité avec cette histoire canonique et avec ces personnages religieux. Vous voyez par exemple cette Vierge très intéressante de Buonaccorso, qui montre tout son petit attirail de couture à gauche, le livre à droite traditionnellement, mais cette couture qui est faite pour montrer aussi qu'au fond c'est une Vierge, qui est une Vierge qui est proche de nous, hein, qui est une Vierge ordinaire, j'allais dire, mais pas de chose pour elle-même. Alors exceptionnellement, et c'est montré dans l'exposition, vous verrez par exemple ces représentations d'Arma Christi, mais dans un livre de dévotion en ivoire qui est magnifique, qui vient du Victoria et Albert Museum, et qui est, si vous tourniez, si vous voulez, les pages, vous trouveriez aussi des personnages religieux. Donc j'ai trouvé comme ça des exceptions qui confirment la règle, mais vraiment des exceptions qui confirment la règle, et je suis preneuse, je vous lance un appel de toutes ces formes d'exceptions à l'intérieur, encore une fois, du monde occidental chrétien, mais il y en a très peu, c'est-à-dire que les artistes ont obéi à cette règle d'or. Donc la nature morte est libérée de son expression impropre, de son corpus strictement pictural, de son carcan chronologique, et maintenant il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de ce carcan géographique. Alors j'ai voulu sortir, si vous voulez, disons de l'Europe et du siècle d'or de la nature morte, pour voir ce qui se passait non seulement en amont, avant l'Antiquité gréco-romaine. Et donc, j'ai visité beaucoup de cultures, et j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais j'ai pris deux exemples majeurs, deux très grandes cultures, qui sont la culture égyptienne et la culture mésopotamienne. Et quand vous voyez, entre parenthèses, la tombe de Toutankhamon, qui a été, donc, comme vous le savez, révélée au début des années 1920, vous voyez finalement une sorte de bric-à-brac de choses, hein, puisqu'on enterrait, bien sûr, les pharaons, et donc les morts partaient avec énormément de choses. Ce que vous voyez au fond à droite sur cette petite table d'offrande égyptienne, qui est une merveilleuse nature morte, ce sont des objets qui sont une offrande donc aux morts, pour qu'ils aient tout l'indispensable, disons, pour pouvoir vivre par-delà la mort. Donc dans cette séquence qui s'appelle donc les objets de la croyance, vous voyez donc cette Vierge, et par opposition vous voyez aussi que si on tourne notre regard vers l'Extrême-Orient, on trouve également des choses représentées pour elles-mêmes, bon, en particulier dans la peinture chinoise, et vous avez ces merveilleux kakis de Mouki qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui sont présents dans le regard de l'artiste contemporain Pierre Buraglio, qui a dessiné ces sublimes kakis dans les années 1970-1980. C'est un formidable éloge aussi, et c'est aussi la preuve que les artistes occidentaux se souviennent non seulement de l'art ancien, de l'art très ancien pour Mouki, puisque c'est un artiste qui peint au XIIIe siècle, et au XIIIe siècle, donc c'est notre période à nous du Moyen-Âge, où encore une fois, on ne voit plus de choses représentées pour elles-mêmes. Donc nous avons présenté ces fleurs d'œillets,
dans le style de Xuan, donc de cet artiste chinois que nous empruntons au musée Guimet, et donc de 1314, donc à peu près, enfin sensiblement l'époque où cette Vierge à l'enfant donc est représentée. Donc vous voyez, l'intérêt au fond, ça n'est pas de vouloir parler de monde entier, c'est simplement de parler peut-être de ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire notre propre histoire occidentale, mais c'est malgré tout d'ouvrir des fenêtres sur l'extérieur. Je crois que ce qui est important, c'est ça. C'est moins de tendre vers l'exhaustivité, disons, de toutes les cultures du monde, ce qui n'aurait d'ailleurs aucun sens et ce qui est même remis en cause aujourd'hui pour des tas de raisons et qui sont en particulier des raisons relativement évidentes, mais c'est tout de même de toujours se poser le problème du comparatisme, disons, et d'essayer encore une fois d'être... Alors je suis une personnalité un peu claustrophobique et avec l'âge ça ne s'arrange pas, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai envie d'abord d'étirer, disons, le savoir dans le temps, c'est-à-dire je crois que nous comprenons mieux les phénomènes quand nous travaillons sur la longue durée de l'histoire. Et d'autre part, c'est vrai que, c'est peut-être surtout après la pandémie, où nous avons été beaucoup privés de voyages, j'avais vraiment envie de vous faire profiter aussi de quelques échappées, disons. Cette façon d'ouvrir donc des fenêtres sur d'autres cultures a le mérite de redonner du champ, en effet, de la vie aussi à la nature morte mal nommée, et elle est d'autant plus intéressante si elle procède par correspondance dans le temps. Alors, la mise en correspondance, attention, ça n'interdit pas la diachronie, c'est-à-dire la chronologie, mais disons qu'elle entrave cette chronologie dans ce qu'elle pourrait avoir de trop linéaire, elle la complexifie en quelque sorte. Une exposition donc sur les choses devrait donner une forme à notre dialogue avec les choses, mais aussi au dialogue des choses, des œuvres entre elles, c'est fondamental, et au dialogue des artistes entre eux, ils n'arrêtent pas, ils ne cessent pas de dialoguer entre eux. Les artistes donc dialoguent, encore une fois, par-delà l'histoire et la géographie, par leurs œuvres interposées. Donc, la structure chronologique, bon, elle a l'avantage de mettre évidemment en évidence les transformations à la fois techniques, les politiques de représentation, les façons de représenter les choses, mais on peut aussi rapprocher des œuvres qui n'appartiennent pas à la même époque, et j'en veux pour exemple des artistes tout simplement qui se servent les uns des autres, qui recyclent les œuvres des autres. Vous voyez cette magnifique botte d'asperge de Manet, qui dialogue évidemment avec Corte, donc artiste du XVIIe siècle, de la même manière, donc Gilles Barbier, comme je vous l'ai dit, qui dialogue avec Barbary. Mais vous avez aussi un mode de dialogue qui est plus personnel, disons, et c'est là où c'est vrai l'intervention de l'auteur qui signe une exposition, évidemment, est importante. C'est-à-dire que, de mon côté, quand j'ai vu cette magnifique nature morte de Lina qui nous était donc concédée par le Louvre, par le département des peintures, ce qui m'a frappée, évidemment, c'est la prouesse virtuose de Linard, qui est l'un des maîtres de la nature morte donc au XVIIe siècle, mais c'est aussi ces objets, cette fantaisie, disons, dans la manière d'organiser les choses, de mettre en scène les choses, et cet objet de paradis donc qui va vers la fenêtre, qui dirige notre regard, qui est assez étonnant, qui est pas impensif, mais qui existe, qu'on retrouve dans d'autres natures mortes du XVIIe siècle, et ça m'a fait penser immédiatement à ce Dali, donc qui est un Dali de la période atomique de Dali. Il s'intéressait beaucoup à la science, et donc en 1956, il peint cette nature morte vivante, hein, c'est son titre, où tous les objets sont en lévitation, et évidemment la structure elle-même reste assez classique finalement sur ce fond de paysage, mais les objets sont parfois aussi plutôt classique pour une part en tout cas, mais ils sont en lévitation et donc j'ai eu envie évidemment de le rapprocher de Celina. De la même manière, pour en dire un peu plus sur la manière dont les choses s'organisent dans l'exposition, ce Buckley Art donc, que vous voyez à gauche, c'est une scène de marché
de la fin du XVIe siècle, donc, qui est assez typique de ces scènes de genre qui à la fois étaient boudées par, disons, dans la hiérarchie des genres qui n'étaient pas forcément les mieux vus, mais qui en même temps plaisaient beaucoup à toutes sortes de publics, et en particulier au public bourgeois naissant, disons, de l'époque, au moment où nous avons une forme d'ascension du capitalisme et du marché capitaliste, avec cette abondance donc des nourritures et des produits donc vendus par cette jeune personne très à la fois très très sensuelle et donc vous voyez la scène de Marthe donc à l'arrière-plan avec la visite de Jésus, donc qui est une scène religieuse qui est renvoyée en miniature, c'est-à-dire que pendant 1000 ans vous avez les choses asservies au discours religieux, donc, et ensuite c'est le contraire, c'est-à-dire que le discours religieux est repoussé au dernier plan, et ce sont les choses qui prennent le pouvoir en quelque sorte. Et c'était une chose qui avait été très bien montrée en histoire de l'art. Ce qui n'a pas été montré en revanche, enfin me semble-t-il, en tout cas que je le sache, c'était aussi la question qu'on retrouve chez Snyder. Au début du XVIIe siècle, qui est très intéressante, c'est-à-dire les choses prennent le pouvoir dans une majestueuse nature morte où la production donc, est au premier plan, et les agriculteurs sont renvoyés au dernier plan, comme si au fond les êtres étaient renvoyés dans le fond de l'histoire et la marchandise au premier. C'est un renversement très important. De la même manière, ce qu'on a voulu montrer dans la séquence sur l'Antiquité, ces œuvres qui viennent du musée d'archéologie de Naples, que vous connaissez sans doute, c'est vraiment que depuis le départ, il y a un mouvement de vie et mort. Ça, c'est la première vanité donc, du 1er siècle avant notre ère que nous connaissions. C'est un thème, comme vous le savez, qui a une fortune critique extraordinaire jusqu'à nos jours. Mais c'était surtout ce mouvement aussi qu'on voulait vraiment vous proposer. C'est-à-dire, encore une fois, il y a toujours cette action-réaction, hein, comme disait Starobinsky, vie contre mort. Et les artistes représentent au fond les deux. Bon, et il est évident que dans cette séquence sur la vanité, justement, vous avez certainement encore en tête, quand vous la visitez, cette première nature morte que vous aurez vue au départ, et puis d'autres natures mortes jusqu'à nos jours, et en particulier au XVIIe siècle. J'attire votre attention sur le troisième tableau, donc, qui est intéressant dans la mesure où c'est une œuvre de Bonnecroix qui montre au fond la vanité de la peinture. C'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, ces artistes qui entrent dans une ère nouvelle, où le marché privé, le marché pour l'intimité, disons, les œuvres étaient destinées auparavant pour des édifices, disons, plus communs, plus collectifs plutôt, il va y avoir tout un développement avec l'essor du capitalisme, du marché tel que nous le connaissons finalement encore aujourd'hui. Et ces artistes puritains, ils sont quelques-uns, donc, dont Bonnecroix, donc, finalement montrent aussi une palette de peintres et un crâne pour dire tout est vanité, y compris la peinture. Vous avez ce très beau magnifique peau donc en bronze rouge de Jean-Loup Champion qui représente des os animaux, hein, et on approche petit à petit de cette séquence très forte que je vais vous montrer après, Richter, et puis ce vase de Barthélemy Togo dont vous avez vu aussi l'œuvre dès le départ, donc en entrant au Louvre, je vais y revenir, qui lui ne parle pas de notre pandémie d'ailleurs, mais de la pandémie d'Ebola qui a touché très fortement l'Afrique. Alors, vous avez aussi cette séquence pour montrer qui réunit des œuvres. Alors, Glenn Brown est plutôt à la fin, mais on aurait pu la présenter avant. C'est-à-dire qu'il présente les choses en majesté, un petit peu comme la marchandise au marché, donc renvoyait le discours religieux dans le fond. Là, vous avez
les artistes semblent dire, à la fois au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et au XXe, ils semblent dire finalement le paysage c'est important, c'est un thème qui est très beau, etc. Mais les choses, la représentation des choses pour elles-mêmes, ça peut justement être tout aussi important et en tout cas c'est ce qu'on retient de ces œuvres. Vous avez cette séquence qui est une séquence très émouvante avec toutes sortes de bêtes qui sont à la fois entravées, qui sont mortes. Toutes ces bêtes sont mortes et sont présentées par les artistes, certainement avec beaucoup de compassion pour montrer une sorte d'humanité aussi, de quelque chose en tout cas qui ne nous laisse pas indifférents quand nous les voyons. Il est difficile de ne pas penser que les animaux aussi ont un regard. Hein. Et là, ce face-à-face de ces deux œuvres que vous retrouvez dans l'exposition, c'est Ribera, donc, qui vient de la collection du Capodimonte et qui a été très généreux avec nous, et qui montre donc, au fond, cette tête de mouton et cet œil nous regarde moins qu'il n'attire notre compassion, disons. Alors que dans l'œuvre de Serrano, Cabeza de Vaca de 1984, vous avez un photographe qui montre quelque chose au fond de très classique, d'une tête de vache donc morte posée sur un socle donc peint comme un marbre, mais son œil cette fois ne fait pas qu'attirer notre compassion, il nous accuse. Et là, c'est très important de penser cette œuvre comme probablement la première de toute l'histoire de l'art, me semble-t-il, qui ne fait pas que nous regarder comme chez Rosa Bonheur, etc., mais qui véritablement nous accuse. Un mort ou vivant, disons, l'œil animal peut avoir, disons, nous lancer un message. Alors, c'est la photo que j'ai choisie pour la couverture de mon livre, qui n'a pas été sans poser de problème, parce qu'effectivement, c'est parfois une représentation qui peut choquer, disons, m'a-t-on dit, faire de la peine. Et là, c'est un débat, je pense, qu'il faut qu'on ait tous ensemble, parce que si on ne peut plus laisser les artistes représenter des choses qui nous font de la peine, disons, je pense qu'il faut à ce moment-là renoncer à toute l'histoire de l'art. Hein. C'est vraiment une question qu'on doit se poser de façon urgente. L'art n'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité, hein, une représentation symbolique, ce qui n'a rien à voir. Dans cette exposition, je vous montre quelques chefs-d'œuvre de peinture d'artistes femmes. C'était une manière aussi de rendre hommage à des artistes femmes. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles ont été, en tout cas, plus nombreuses que dans les autres genres, puisque le genre n'intéressait pas beaucoup, disons, les canons de leur époque. Il est vrai qu'elles se sont engouffrées, des artistes comme Louise Moyon, comme Clara Peters, travaillaient dans des ateliers, à la fois très modestement, mais elles se retrouvent aujourd'hui, juste retour des choses, sur les cimes du Louvre, et évidemment on s'aperçoit que leur peinture est tout aussi puissante que la peinture de leurs confrères masculins. Alors, Barthélemy Togo, donc, nous avons voulu qu'il soit présent dans cette exposition. Vous le voyez là, après la nuit d'installation de ces ballots, donc le pilier des migrants disparus. C'est une œuvre, comme généralement les œuvres de Barthélemy Togo, et c'est ce que j'aime. J'apprécie beaucoup chez lui, c'est un artiste engagé, mais quand on voit ses œuvres, ce sont des œuvres très décoratives, en fait très belles, très vivantes, qui sont faites avec toutes sortes de tissus africains. C'est un artiste camerounais. Et en fait, quand vous vous rapprochez du titre, vous vous rendez compte qu'il parle d'une figure qu'on retrouve d'ailleurs au cœur de l'exposition, avec la photo de Philippe Chancel de la catastrophe de Fukushima, etc. C'est-à-dire ces ballots, ces choses qu'emportent les migrants en fait, et les réfugiés de toutes parts, du monde entier, c'est-à-dire quelques affaires réunies comme ça dans un morceau de chiffon. Donc c'est un moment très, très beau aussi, cette installation de voilà. Bon, les intercesseurs, oui, ce que je voudrais vous dire, c'est que, au fond, dans un accrochage, il y a toujours des moments plus ou moins
important. Et le moment, pour moi, disons, le plus important, probablement, de cet accrochage, c'est le moment où nous avions installé déjà les œuvres de cinéma, et en partie ce film, cet extrait donc, là, de la dernière scène de Saul Kerr de Tarkovsky, donc de 1979, où la jeune fille donc, fait bouger les verres et le bocal avec son regard, enfin, en particulier les verres. On ne sait pas très bien si c'est le train ou si c'est son regard qui est... Enfin, il y a quelque chose de très méditatif et très beau dans cette scène, qui était déjà installée. Et puis, donc, j'avais... depuis le départ, considérer, si vous voulez, que ce dialogue était une sorte de diapason de l'exposition. Et la Madeleine de la Tour, qui est arrivée, donc on est allé la chercher dans les réserves, et quand elle est arrivée, donc d'une certaine manière, quand on l'a présentée, enfin, vous voyez quelques moments de cet accrochage, je dirais que soit ça marchait, soit ça ne marchait pas. Et ça pouvait ne pas marcher, parce que vous savez, vous rêvez de dialogue, c'est un peu comme quand vous invitez des amis chers, et puis vous vous dites que vos amis doivent forcément s'entendre entre eux, parce qu'ils sont vos amis, ce qui est complètement faux, et ça donne parfois des catastrophes intégrales. Donc les œuvres, c'est pareil, si vous voulez, c'est très bien, vous avez beau les connaître, les avoir vues, etc., mais une fois qu'elles sont ensemble, elles se disent des choses et elles dialoguent d'une manière tout à fait particulière qui vous échappe complètement. Bon, et donc, je m'étais dit que si ce dialogue ne fonctionnait pas, d'une certaine façon, rien ne fonctionnerait. Enfin, j'avais postulé qu'aussi que ces jeunes filles aussi allaient nous emmener au fond vers la promenade à laquelle je vous invite et qu'elles allaient être un peu le diapason et nos intercesseurs pour nous faire entrer dans l'exposition. Alors, je crois que, enfin, si j'en crois donc vos réactions et les réactions du public, je crois que, au fond, par le sensible, on arrive très bien à comprendre que, en effet, ces deux jeunes filles nous emmènent vers le monde des choses. Alors, j'espère qu'on ne parlera plus de nature morte, mais c'est un vœu pieux parce que je pense que c'est une expression qui est relativement ancrée dans nos mentalités. Mais en tout cas, vous saurez maintenant que la nature est vivante. Et puis donc, il y a un catalogue qui reste. En effet, je remercie Violaine Bouvet-Lancel de nous avoir fait confiance dans cette aventure qui était une aventure un peu hors les normes, disons, habituelles, puisque nous avons 260 auteurs et que nous avons fait travailler beaucoup, beaucoup d'auteurs, des historiens de l'art, des conservateurs, des conservatrices, mais aussi toutes sortes de chercheurs et de chercheuses en sciences humaines et sociales, et puis aussi des romanciers, des cuisiniers. Vous avez des dessins contemporains, aussi des dessins de je pense au collage d'Alain Passard ou au dessin de Ferran Adrien. Enfin, il fallait, si vous voulez, il faut... toujours, pour penser la représentation des choses aujourd'hui, il faut sortir un peu de notre petit monde de l'histoire de l'art, parce qu'au fond, nous sommes, nous, historiens de l'art, vous savez, des gens qui sommes littéralement abreuvés de toutes sortes. Nous avons souvent des formations, d'ailleurs, plurielles, soit littéraires, philosophiques, historiques, et pas seulement techniques, si vous voulez, en histoire de l'art. Et donc, c'était très important de montrer cela, et vous retrouverez beaucoup des auteurs, évidemment, que vous lisez en histoire de l'art, mais pas uniquement. Le Chausier, c'est 200 textes d'auteurs, en fait, qui ont choisi, à qui on a demandé de choisir une entrée qui les inspirait plus particulièrement. Ce n'est pas nous qui avons commandé des textes, si vous voulez, il y a des textes qui ont été commandés à propos des œuvres, évidemment, c'est un catalogue tout à fait classique dans sa première partie, avec des très bons textes en vis-à-vis de chaque œuvre. Mais le Chausier, c'est autre chose, c'est l'imaginaire de notre époque à travers 200 penseurs et penseuses, disons, qui ont choisi des mots qui m'ont très souvent, je dois vous le dire, étonnée. Je leur ai dit, voilà, quand on vous parle de nature morte, de chaude, à quoi pensez-vous? Et il y avait généralement toujours une étincelle, il disait, ah, ça, et voilà, c'était quelque chose de plus intime, disons, qui passait là aussi par le sensible et qui était important. Bon, là, ce sont quelques
photographies de moments, parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce travail, et tout travail, tout livre, enfin pas seulement le catalogue, mais même mon livre, pour en finir avec la nature morte, est toujours un travail en rhizome, mais toujours un travail, on ne fait rien de bien dans l'existence sans communauté, en fait, sans dialoguer avec les autres, et un chantier, évidemment, en est un merveilleux exemple, et vous retrouverez donc, on a eu une vie commune pendant 17 jours merveilleuse, et donc avec des moments très forts, et je remercie toutes les équipes du Louvre de m'avoir permis de vivre ça avec des équipes extraordinairement compétentes et intéressées aussi par l'art, c'est-à-dire regardons l'art. Vous voyez cette dernière image donc avec deux personnes qui s'apprêtent à accrocher le Barcello, mais il y a quelque chose de presque, disons, sacré, enfin, dans la façon dont on dirait deux chevaliers qui sont... il y a quelque chose de presque de médiéval dans ça, mais il faut savoir que finalement, toute cette armée des ombres qui travaille pour le musée du Louvre, et puis aussi, bien sûr, ses dirigeants, ses dirigeantes, ont un amour de l'art. Enfin, je pense que ce qui nous réunissait aussi sur ce chantier, c'était vraiment l'amour de l'art. Bon, après, j'ai maintenant des centaines d'images aussi des visiteurs et des visiteuses, parfois des mots très émouvants qui passent par le service de la sécurité pour nous dire à quel point ces images sont, enfin, cette exposition leur parle, leur plaît. Et j'ai eu en particulier une photographie aussi qui m'a fait très plaisir d'une visiteuse donc, qui a pris une photo d'objets vraiment très anodins, c'est-à-dire les vêtements et les sacs dans le vestiaire du Louvre. Mais c'est une photo particulièrement belle, je dois dire. Qui me l'a fait envoyer donc avec comme message que oui, c'est vrai, finalement, faire attention aux choses, toute chose a son intérêt à partir du moment où on sait la regarder, où on sait être attentionné, disons, vis-à-vis d'elle. Voilà, je n'ai que trop parlé, malheureusement, je n'ai pas d'horloge dans la tête. Quelle heure est-il ? Est-ce qu'on a quelques minutes pour des questions ? J'ai été un petit peu longue, j'étais bavarde, contrairement à ce que je pensais. Oui ? Merci beaucoup pour vos mots. Et en voyant le nom d'Arlette Farr, je ne peux que penser à son goût de l'archive, qui me fait ensuite écho à la chercheuse québécoise en archivistique Anne Klein. Et notamment, elle a travaillé sur les archivistes contemporains qui réutilisent les archives. Et donc pour vous, dans la nature morte, notamment celle contemporaine comme celle ancienne, quelle place donc ces choses, ces bouts de papier, ces restes humains pourraient-ils faire, imaginer et comprendre pour nous aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je crains de ne pas avoir bien entendu votre question. Donc, en quelques mots, en reprenant un peu la pensée d'Anne Klein, je suis désolée, j'ai parlé vite, comme le temps presse. Pour vous, quelle serait la place des archives réutilisées par ces artistes, contemporains ou non, au sein des choses, au sein de la nature morte ? Vous parlez des archives utilisées par les artistes contemporains au sein de ces représentations ? Oui, à votre avis, quel serait leur rôle, quel serait leur... Les archives. Oui, c'est ça, archives, autant papier, ou notamment, je pense à la pratique que vous avez citée de Christian Boltanski. De Boltanski. Ou d'autres, selon vos... Oui, je pense que les archives, ce sont les outils majeurs des historiens, mais aussi des artistes, par définition... Tout fait archive. Enfin, je vous renvoie à la personne qui en parle peut-être le mieux, ce qui est l'historienne Arlette Farge. Il y a quelque chose, disons, dans les choses qui relève de ce qui reste. Si la première séquence s'appelle « Ce qui reste »,
c'est parce que effectivement les choses sont les archives du monde ou de l'individu qui nous quitte. Hein. Qu'est-ce qui reste d'un individu quand il nous quitte ? Ce sont des choses à la fois qui l'ont entouré, mais ce sont aussi des choses qu'il a aimées, qu'il a acquis, etc. C'est le principe même d'ailleurs aussi de la collection. C'est pour ça que c'est tellement important, la collection. Donc je crois que les artistes sont très sensibles à cette notion-là, en effet, de ce qui reste à la fois. Alors, Boltanski, c'est un cas tout à fait intéressant parce que cette vitrine, disons, rassemble ses objets personnels, relève de son histoire individuelle. Et puis, ce que vous voyez au mur, ces photos donc, de vêtements d'enfants, là, parlent d'une histoire collective et, en réalité, d'une histoire tragique qui est l'histoire de la Shoah. Donc, vous voyez, il y a vraiment dans cette première séquence à la fois ce qui reste de l'individu et ce qui reste des sociétés quand elles disparaissent. Bonjour, je croyais que les vanités étaient liées à la religion chrétienne et je vois que je me trompe puisqu'il y en a au 1er siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez m'éclairer ? Alors, vous avez tout à fait raison, ça fait partie certainement des idées reçues, enfin des idées sur lesquelles nous vivons, mais qui sont faites pour être contrariées. Je vous avoue que moi aussi... En fait, avant de travailler, je pensais que c'était très lié à l'histoire de la chrétienté. En réalité, donc, les antiques, cette conception, si vous voulez, de l'existant, de la vie, de la non-vie, du vivant, du non-vivant, ils la pensent, et ils la pensent sans doute en des termes qui sont très proches des termes dans lesquels la chrétienté va représenter, si je puis dire, le monde de la représentation de la vanité chrétienne ne va pas être si différent de la représentation donc de l'Antiquité qui, entre parenthèses, n'est pas dénuée de religieux. Hein. J'insiste sur ce point parce que, je vous l'ai dit, je vous le répète, quand on travaille sur le temps long, on prend conscience que le temps du profane, disons, ou le temps du non religieux ou du non sacré, est non seulement très court, mais il est quasiment sporadique, enfin, dans le tissu très long de l'histoire. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne visite pour celles et ceux qui n'ont pas encore visité l'exposition.